Salut les gamers, salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit match donc de football, donc entre deux équipes pas super connues, mais bon voilà. Hein. Une équipe de Russie, une équipe des États-Unis. Si vous avez remarqué le petit triangle qui est en haut, c'est marqué oui, ça veut dire que ça précise la forme des joueurs du moment. Ça c'est super, je pense que c'est nouveau, hein. Il n'y avait pas ça l'année dernière. Donc ça je trouve ça pas mal du tout. Donc ça sera, moi je prends la Russie, donc le club de d'Eto et de la Sanadjera, contre les Red Bull, donc contre Thierry Henry de New York. C'est moche, c'est mieux. On va faire ça et ça. Voilà. Donc content de vous retrouver pour ce petit match. Vous pouvez vous apercevoir que New York est en grande forme. C'est le moins qu'on puisse dire. Je sais pas ce qui s'est passé dernièrement pour eux, mais c'est tendu quoi. Voilà, je joue rapidement en pro, 4 minutes en pro, en semi-pro je m'en sors, en pro je m'en sors pas, donc comme j'ai envie d'essayer de m'améliorer, même si je dois prendre une fessée devant vos yeux, ça ne fera que du spectacle pour vous, n'est-ce pas? Donc voilà. Que dire? À part que je découvre ce jeu depuis quelques jours là, donc ceux qui ne le savent pas, j'ai beaucoup joué à FIFA, il fut un temps, mais depuis... Ouf! Depuis, je ne joue plus trop, je le cache pas. Hein. Donc, il y a quelques années que je ne l'ai pas acheté le jeu. Mais elle est belle celle-là. Oh là là, magnifique, malheureusement, ça ne touche pas une cible. Et donc là, je redécouvre un peu les évolutions. J'y joue chaque année un petit peu avec un pote qui m'amène le jeu et qui refait 2-3 matchs, mais vraiment, c'est très peu. 2-3 hein. Matchs, pas plus. Et que je m'attarde sur d'autres jeux. Et là, j'ai décidé cette année de m'y remettre un peu. J'avais un niveau moyen il y a quelques années. Maintenant, j'ai un niveau. Zéro, je peux vous dire franchement, je ne vais pas vous cacher. Donc je découvre beaucoup de choses que vous avez peut-être, ceux qui connaissent, découvert l'année dernière dans en FIFA 2012. Moi personnellement, je découvre surtout la défense tactique que je trouve superbe. Je trouve ça que c'est une option que vous pouvez désactiver. C'est une défense que vous pouvez désactiver dans les options. J'ai pu constater, je ne savais pas. C'est bien qu'ils vous laissent le choix. Ça c'est bien, vous pouvez retrouver la défense d'avant. Et comme j'étais déjà NB avant, donc je me dis quelque part, oh dommage, je me dis autant garder cette défense tactique que je la trouve superbe. On voit les bonhommes bouger, s'aligner, etc. pour les enjeux, etc. Donc voilà, j'aime bien le côté collision aussi, choc, comme ça par exemple, magnifique. Et voilà. Donc ça va être dur pour moi parce qu'en plus, en vous parlant, je le fais en même temps. Hein, donc en vous parlant, vous doutez bien que je ne me serais pas concentré particulièrement sur le jeu. Donc ça risque d'être compliqué. Hein. Déjà, ah oui, ça aussi, la réception des balles, si vous la prenez mal, vous faites un mauvais contrôle. Attendez, excusez-moi, parce que là, faut que je marque quand même. Oh, là, là. Faut que je marque. Donc voilà. Donc ouais, donc pour les contrôles, je trouve ça excellent aussi. Ça c'est nouveau. Chaque chasseur, je sais qu'il n'y avait pas ça l'année dernière. Donc dans le précédent FIFA. Oh là là, ça commence très très mal. Je vois que ça commence très très mal. Alors voilà. Maintenant, vous savez, mon niveau est moins que rien. Et en plus, monsieur se permet de me narguer à faire ses chichis. J'ai quand même essayé de lui régler son compte. Hein. C'est pas normal tout ça. Donc voilà, on enchaîne. Ah oh, mince, pardon. Excusez-moi, c'est moi qui fais une bêtise. Vous dire qu'au-delà de la découverte, j'ai toujours aimé FIFA. Sinon, je ne vous le montrerai pas en même temps. Je vous montre que des jeux que j'apprécie. Maintenant, s'il y a un jeu un jour que j'apprécie, moi je vous montre, c'est parce que c'est une démo, parce que je ne l'aurais pas acheté. Mais bien, parfois, les démos peuvent surprendre. Et rapidement, je vais vous parler de Resident Evil 6, où je vous prévois de vous faire une petite vidéo de la démo. Parce que franchement, moi qui n'aime pas les Resident Evil, où je me rappelle de mecs un peu bloqués, quand dès qu'ils veulent tirer, ils peuvent pas. Excusez-moi, vous pouvez comprendre parfaitement que je m'interrompe, parce que ça va être tendu. Regardez, en retrait. Ah, dommage. Oh là là, mon dieu. Et donc oui, Resident Evil, j'ai découvert en fin de compte que le nouveau Resident Evil proposait premièrement trois scénarios différents, qui se rejoignent au cours de l'histoire. Dans ces trois scénarios, c'est que de la coopération parce que c'est des duos, donc vous pouvez faire ça normalement, moi en tout cas l'année dernière je sais qu'on pouvait le faire en local à la maison et online. Là, dans la démo, on peut le faire que online, je ne sais pas si on pourra le faire en local, j'espère en tout cas. Et parce que je vais parfois le jouer avec ma femme, hein, ou avec des potes aussi, mais plutôt avec ma femme, pour les coopérations. Donc voilà, j'ai la chance d'avoir une femme qui joue aux jeux vidéo. Et franchement, moi j'ai un pote à qui je parlais de Resident Evil qui me disait mais non, c'est pas terrible, tu peux pas bouger quand tu tires, c'est relou pour la mobilité, etc. Et ben là, ils ont fait en sorte que premièrement, vous pouvez courir, marcher et tirer en même temps. Vous pouvez vous cacher
rapidement, pas comme avant quand voilà. Et sérieusement, j'ai pris une claque. Enfin, franchement, j'ai pris une claque. Le jeu, premièrement, il est beau. Oh là 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 là, j'ai pris une fessée, moi. Premièrement, le beau. Ah, c'est tirant, il vous avez vu, Titi. Donc, premièrement, le jeu, il est beau. Et en plus, super ludique, quoi. Coopératif, franchement, moi, je trouve ça super dans les jeux. C'est ce que je. Moi, ce que je préfère dans les jeux vidéo, c'est quand les potes ils passent à la maison, qu'on peut se faire un match de foot, qu'on peut se faire un match de basket, voilà, etc. Et là, maintenant, bah, je dirais, on peut faire aussi un Resident Evil, quoi. Ou certains FPS où effectivement on peut jouer en coopération, moi j'adore, donc voilà. Donc c'était la petite parenthèse Resident Evil, n'hésitez pas à la télécharger si vous pouvez, parce qu'elle est en démo gratuite bien sûr sur les stores et la Xbox Live. Et voilà, revenons au football, parce que là maintenant je commence à me fâcher quand même. Vous pouvez le comprendre, oh c'est n'importe quoi en plus. Parce que être mené à zéro comme ça m'énerve un peu quand même, même si je ne joue pas... Pour la performance, je joue plus pour le plaisir, hein. Surtout au foot où j'ai pas le gros niveau. Mais là, j'aime bien prendre du plaisir. Même dans la défaite, hein, je prends du plaisir, je vous le dis franchement. Bon, bien sûr, je préfère gagner, hein, mais je garde toutes ces hargnes de la gagne pour les simulations automobiles. Je suis quand même beaucoup bien meilleur que cela. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ah oui, on peut dire que par exemple, j'ai. Oh là là, je vais en prendre, hein, moi, je vais en prendre. Hein. J'ai découvert des petits trucs, hein. Alors je sais pas, peut-être que ça existait avant ou pas, je ne sais pas. Je vais vous montrer. Exemple. Petite passe aveugle. Et. Non. Tac. Vous avez vu? C'est beau ça, hein? Derrière la jambe et tout. Hein? Je sais, c'est beau. Oh, un petit peu forte peut-être. Ah, il l'a pas. Voilà. J'ai découvert. Alors, j'ai découvert les pas chassés quand vous défendez. Oh, ça c'est découvert, ça c'est beau ça. C'est la mi-temps. Bah, pas terrible pour l'instant. Je suis désolé de la prestation des Makachakala. Mais bon, pour l'instant, les États-Unis mènent la Russie 1-0. Alors j'aime bien faire des petits matchs comme ça, un peu politique, on va dire. Je prévois par exemple de faire États-Unis, Arabie Saoudite, des trucs comme ça, quoi. Russie, Chine, s'il y a la Chine, je sais même pas s'il y a la Chine. Je crois pas qu'il y ait des clubs de la Chine, je sais pas. Allons-y pour la deuxième mi-temps en espérant que je ferai une prestation un peu plus professionnelle, n'est-ce pas? Tout ça, c'est transversal, j'adore les transversales. Là, que là, ah, merde, le mec il était là, dommage. J'ai mal regardé dans mon petit plan en bas. Hop là, allez, on y va, on y va, on y va en attaque, excusez-moi, mais là maintenant je rigole plus. On attaque, j'ai dit on attaque. Oh là 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 là, j'ai voulu faire passe lobé en profondeur et j'ai appuyé sur R2 au lieu de. Non, L2 au lieu de L1, donc ma faute. Mais des fois je me trouve pas toujours dans les boutons. Petit aparté aussi pour petit aparté pour les nouveaux abonnés que je remercie grandement parce que dernièrement il y a eu un petit boost au niveau des nouveaux abonnés. Excusez-moi. Oh, putain. Il y a un petit boost au niveau des nouveaux abonnés et j'ai trouvé ça super cool. Donc c'est vrai qu'il y a peu de temps que je fais des commentaires, donc je pense que les commentaires ils sont pour beaucoup. Je suis à une centaine de vidéos, j'ai 33 000 vues aujourd'hui et je suis super content de voir qu'il y a des gens à qui ça plaît. Donc merci pour ça. Excusez-moi. Ah, j'ai refait la même bêtise, je voulais le faire lober, je l'ai fait rat de sol. Vous voyez, donc c'est des petites choses que je vais bien sûr corriger avec le temps, hein, je vous rassure. J'apprends vite de mes erreurs. Donc aujourd'hui, j'ai pas un gros niveau, je n'aurai peut-être jamais un gros niveau en même temps, mais je sais que je vais m'améliorer. Voilà. C'est dit. Ça, un jour, je vous montrerai un vrai match de foot, quoi. Voilà, donc. Il faut bien en mettre un quand même. Il est super ce jeu, franchement. Bah, tous les ans, je le trouve super ce jeu. Je l'achète pas parce que j'ai. Oh là 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 là, dès que je vous parle, hein, vous avez vu, c'est votre faute, hein. C'est votre faute. Tac tac. Voilà. Donc, tous les ans, à chaque fois, je le trouve super. Tous les ans, je me dis, ce serait peut-être que je me le prenne. À chaque fois, je dis, non, je vais pas le prendre. Pourquoi? Parce que vous avez vite constaté, je prends beaucoup de jeux. Et j'ai une femme. Et bien qu'elle soit très compréhensive, un coup de fusil un jour pourrait partir sans que je m'y attende. Et vous pourriez me retrouver dans les actualités du 20h. J'espère du 20h, quand même 13h, c'est un peu limite. Donc voilà, on va faire les belles celles-là. Oh, il n'y a personne. Il est là. Oh là 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 là, j'aurais dû les faire plus haute. Allez, belle pour moi, messieurs. Ah, oh, mais c'est pas possible. Oh là là là. Donc, oui, donc. Ça, comme ça, bien cher quand même. Donc là, je vous prépare un Medal of Honor, je vous prépare le Black Ops, je vous prépare.
Bon, Far Cry, je suis pas certain de le prendre tout de suite. Peut-être que je le prendrai en occasion un peu plus tard parce que là, je vais plus m'en sortir. Mais je prévois Assassin's Creed, vous voyez, c'est. Voilà quoi. Là, je viens de prendre Tekken, je viens de prendre FIFA, j'ai pris Formule 1, vous voyez, donc au bout d'un moment. Voilà. Oh là 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 là! Oh! Ouais, comme on dit, pour le plaisir, il n'y a pas d'âge. Il faut dépenser sans compter, comme dirait l'inventeur de Jurassic Park. Attention, elle est belle celle-là, lobée. Là, celle-là, je l'ai faite. Ah là, ah, tu contrôles. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Voilà. Donc, oh, j'ai la chance de pouvoir acheter quelques jeux que j'apprécie beaucoup. Donc, faut en profiter, n'est-ce pas, hein? Que feriez-vous à ma place? Si vous pouviez, vous le ferez. Si vous pouvez pas, je suis bien désolé, mais j'espère qu'un jour vous pourrez. N'oublions pas que j'ai un certain âge, hein. Là, c'est pour ça que j'ai besoin de jouer un petit peu pour me réveiller aussi, parce que je suis un diesel, moi, hein, je pars doucement et petit à petit crescendo, je monte en compétence. Voilà. Le tout. Ah, c'est américain, ça. Canadien, peut-être. Le tout. On arrive à la fin de ce match, hein. J'ai pas toujours pas marqué, je suis désolé, la prestation n'est pas excellente, hein. J'aurais préféré vous faire quelques poteaux, quelques transversales, 4-5 buts maîtrisés. Comme vous pouvez le constater pour l'instant, je défends, hein, je défends. Hein, je dirais, il y a quand même une défense. Hein, j'ai pris un but, c'est vrai, mais il y a quand même une défense. On sent que, voilà, on sent aussi qu'offensivement, il y a des choses qui se passent. Hein, on va pas dire qu'on. Attendez, regardez-moi ça par exemple. Regardez, tac, tac et tac. Regardez, hein, il se passe des choses, mais ça rentre pas quoi. C'est la réussite qui me manque. Hein. Qu'est-ce que je vous dis, hein. Oh là là, c'est bêtise. Voilà. Ouais, la défense qui respire, parce que ce contre aurait pu être... Allez, il reste une minute, là, allez. C'est pas beau, ça? Hop là, hop, allez, belle, allez, belle, allez, belle. Oh là là, j'y crois pas. En tout cas, j'aurais eu des occasions, hein. Même si je gagne pas, bah, voilà, je ne gagne pas, mais j'aurais eu des occasions. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait très plaisir que vous appréciez, et je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à bientôt, bye bye.